Bonjour à tout le monde. Je voulais commencer par quelques mots pour nos amis anglophones. Good morning. I'm really sorry to have to give my presentation in French, but I have prepared an English PowerPoint. So I think, I hope that it will help you to follow what I'm attempting to stress today. Je remercie très chaleureusement qui ne comprend pas français. Ah ben c'est parfait, vous voyez. Vous n'êtes pas voisin pour rien. Français, italien. Donc, je voudrais remercier très chaleureusement le professeur Alitié Bella Gamba pour les propos élogieux qu'elle a tenus à mon endroit et qui doivent davantage à sa bienveillance et à sa gentillesse qu'à mes propres qualités, ni même à ceux de mes travaux. Je tenais à associer à ces remerciements le docteur Marco Gardini pour son efficacité dans la mise en relation et dans la prise en charge de mon séjour, de ma venue ici à Milan, et bien sûr mon cousin de la Foulanité, Ismaïlou du Fouta Diallo, et bien entendu toute l'équipe, parce que quand ton travail, c'est toujours en équipe, toute l'équipe donc autour de Alitié. Qui s'est mobilisé pour nous permettre aujourd'hui de nous rencontrer et d'échanger sur ce sujet de première importance. Et je voudrais m'excuser très sincèrement auprès de nos amis italiens. C'est une belle langue, mais peut-être que je me mettrai à l'apprentissage de l'italien un jour. J'aimerais bien, pour commencer, me présenter, donc, puisque Alistier me l'a suggéré. Je suis sénégalais, chercheur, sociologue, établi en France et mon institution s'appelle l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, qui a une des tutelles qui s'appelle l'Université Paris-Descartes, donc j'officie. Et depuis 2 ans, je suis au Sénégal, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, en détachement, où je conduis des programmes de recherche et où je donne aussi des enseignements. J'aimerais bien attirer l'attention sur le fait que je ne suis pas un spécialiste du vieillissement. Donc c'est un objet que j'ai croisé lors de mes recherches sur les questions de migration. À partir des villages de la Moyenne Vallée et du fleuve Sénégal. Je voudrais aussi faire quelques considérations d'ordre général pour situer un peu le contexte dans lequel s'inscrit la réflexion que je vais vous proposer aujourd'hui. Alors, le Sénégal est l'un des pays ouest-africains les plus représentés dans la migration internationale. Les statistiques officielles disent environ 533 000 émigrés, mais des sources officieuses, quand on discute avec les représentants sénégalais dans les ambassades, ils nous disent environ 4 millions. Alors, il faut avoir à l'esprit que le Sénégal, c'est une population de 16 millions d'habitants au dernier recensement. Donc, ce qui veut dire qu'un Sénégalais sur quatre vit à l'étranger, ce qui est quand même assez important. Et c'est une émigration aux destinations très diverses. Alors, je sais que dans les débats européens, on met beaucoup l'accent sur l'émigration, mais je peux vous assurer que les migrations au sein du continent africain sont beaucoup plus importantes que celles qui ont lieu à partir de l'Afrique vers l'Europe. Et donc, les Sénégalais vont le plus souvent en Afrique de l'Ouest, notamment la Côte d'Ivoire, en Afrique centrale, le Gabon, ils vont aussi au nord, le Maroc,
l'Égypte. Et ils viennent bien sûr depuis plus d'un siècle en France, et depuis une trentaine d'années, voire une quarantaine, dans les pays de l'Europe du Sud, comme l'Italie, l'Espagne, ou même d'autres pays un peu plus nordiques, l'Allemagne, les Pays-Bas, et bien sûr en Amérique du Nord, États-Unis, et même depuis un certain temps en Amérique du Sud, pays comme l'Argentine, le Brésil, etc., et même en Asie. Donc, c'est un pays très diasporé. C'est une émigration principalement de travail et qui a été pendant longtemps le fait d'hommes, hein, d'hommes seuls qui partaient et qui laissaient leur famille derrière. Mais c'est aussi une émigration qui connaît une frange qualifiée des étudiants, voire maintenant des enseignants, des chercheurs, en tout cas des gens qui ont fait des études poussées. C'est une émigration aussi qui a des spécificités à la fois régionales. Alors, dans son propos introductif, Alitier vous a dit que je faisais des recherches à partir de la vallée du fleuve Sénégal. Donc, il y a des spécificités régionales, mais aussi religieuses, parce que, vous savez, c'est un pays multiconfessionnel, et bien sûr avec une prédominance de l'islam, mais un islam, disons, confrérique. Vous avez donc des organisations comme le mouridisme, la Tijaniya, pour citer les confréries les plus connues, et donc aussi qui compte parmi les caractéristiques de ces migrations sénégalaises. Et en Italie, vous connaissez bien ces confréries religieuses musulmanes. Bruno Riccio a fait des travaux là-dessus. Et puis, bien sûr, l'inoubliable Adriana Piga, qui a écrit un livre qui s'appelle Dakar et les ordres soufis, où elle raconte vraiment avec une connaissance, mais très, très pointue, très précise, de l'islam tel qu'il est vécu au Sénégal et avec beaucoup de sympathie. Et d'ailleurs, ça me permet d'ouvrir une parenthèse que vous, je me disais, mais si je viens en Italie pour parler de migration sénégalaise, qu'est-ce que je vais avoir à leur raconter? Les Italiens connaissent très bien les Sénégalais. Il y a beaucoup de chercheurs qui parcourent le pays, qui parcourent les sites de la diaspora. Donc, ils ont une connaissance très, très, très fine des migrations sénégalaises. Donc, c'était pour vous dire juste que c'est une émigration aussi qui répond à des spécificités régionales, mais aussi qui a des caractéristiques religieuses. C'est une émigration aussi ancienne parce qu'elle est en train de s'approfondir dans certains pays. Je vous ai dit que depuis plus d'un siècle, des Sénégalais se rendent, par exemple, en France. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, un pays comme le Gabon. Et donc, il y a eu un approfondissement. Il y a un phénomène intergénérationnel, mais je vois même qu'en Italie, c'est en train de se produire, puisque nous avons notre ami et frère, M. Gousseau, avec ses deux filles. Donc, ça voit que ça s'approfondit. Voilà que c'est une migration qui prend racine. Effectivement, Alistair a bien raison d'attirer notre attention sur la façon dont nous nommons les choses, parce qu'elles contribuent aussi à les façonner. Alors, peut-être qu'il vaudrait mieux parler dans ces situations-là de diaspora, puisque au fond, ce sont des gens qui ont la nationalité, la citoyenneté des pays où ils résident. Et donc, ce ne sont plus des migrants tels qu'on pourrait les définir dans les catégories administratives les plus usitées et qui répondent souvent à des préoccupations politiques. Alors, donc, comme c'est une migration qui s'approfondit, c'est une migration internationale qui est en train donc de prendre racine, on voit bien que les gens commencent à prendre l'âge, donc les gens prennent de l'âge. Alors, yes, thank you very much. I forgot it. Yes, voilà. Donc, c'est une émigration donc, qui commence à prendre racine et les gens, bien sûr, sont restés longtemps, ils commencent à être âgés
Et donc, ça mérite qu'on questionne aussi ce phénomène. Alors, question. Comment vieillissent les migrants sénégalais? De quoi est fait leur quotidien? À quoi pensent-ils? Quelles sont leurs préoccupations? Que font ces migrants de leur retraite? Cette communication que je vous propose aujourd'hui répond à ces questions en discutant des représentations communément admises autour d'une expérimentation d'une sorte d'inutilité, voire d'une mort sociale, une fois atteint le stade du grand âge. Alors, ce sont des considérations qui ont souvent cours quand on parle d'immigration. Et bien sûr, là, il y a le prisme national, parce que je parle non pas aussi à partir de la France et du Sénégal, parce que je parle à partir des recherches qui ont été conduites en France, et notamment sur les populations maghrébines, où on a dit souvent que les migrants, quand ils atteignent l'âge de la retraite, ils sont seuls, ils sont pauvres, ils sont fatigués, ils ne sont pas entourés, etc. Je ne dis pas que ça, ce n'est pas vrai. Ça correspond bien sûr à des situations précises, mais je pense qu'il peut aussi être possible de faire entrevoir une autre façon de lire les choses. Et donc, j'essaie de mettre en garde contre une approche misérabiliste. Et je veux attirer l'attention sur le statut d'aîné, le statut d'aîné, de vieux ou d'ancien, qui n'est pas péjoratif dans le contexte sénégalais, de manière générale. Alors, et quand il est question du Sénégal, il faut avoir à l'esprit l'importance des relations clientélistes. C'est très important. Les gens ont besoin de ce qu'on appelle, entre guillemets, les grands, les protecteurs, les patrons, etc. C'est très important dans le contexte sénégalais. Et donc, ce sont des statuts que peuvent incarner les migrants, c'est-à-dire à la fois âgés, anciens, mais peut-être que certains d'entre eux ont pu emmagasiner des ressources au cours de leur vie et qui leur ont permis de prendre en charge, bien sûr, y compris dans le quotidien, non seulement de certaines personnes, mais également de communautés entières. Et donc, il faudrait vraiment avoir ça à l'esprit quand on parle de vieillesse, notamment chez les communautés ouest-africaines, y compris quand elles sont diasporées, pour utiliser un néologisme. Alors, la communication que je vous propose aujourd'hui, donc, essaye de défendre cette thèse que, contrairement à ce qu'ont écrit mes illustres devanciers, Abdelmalek Sayad, Gérard Noyelle, qui sont de grands noms de la littérature sur les migrations en France, moi j'essaie de dire que, attention, attention, il faut contextualiser quand on fait ces réflexions-là, c'est pas dans certaines communautés, être âgé, c'est un statut. C'est un statut parce que ça permet d'acquérir une certaine identité, une certaine respectabilité, et parce que bon, les gens pensent qu'on peut les protéger. Voilà, on peut le Sénégal, quelques cartes. Voilà, la Moyenne-Vallée. Alors, j'aimerais bien quand même un peu contextualiser davantage. Je vous ai parlé un peu du Sénégal, ce que représente le fait d'être âgé. Mais je voulais davantage inscrire voilà, dans un contexte plus précis encore ce que je vais vous dire aujourd'hui. Les réflexions que je vous propose sont tirées d'une enquête conduite auprès de ce que j'ai appelé les villages multisitués. Alors, je renvoie à plusieurs de mes articles où j'explique, et notamment à l'ouvrage dont a parlé Alitier. Alitier, je tenais d'ailleurs à vous remercier très chaleureusement pour le compte rendu que vous avez fait de mon livre. Je ne vous en ai pas parlé, mais je sais que vous l'avez fait, je l'ai lu, et c'est un compte rendu très, 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 très bienveillant et très, très généreux, et je vous en remercie. Donc, j'explique que les villages multisitiés sont produits par des migrations qui ont pour origine la région nord du Sénégal,
et qui se sont échelonnés sur près de 60 ans, 70 ans. Et à chaque fois, en fonction de contextes bien précis. Alors, je ne vais pas détailler davantage, mais ce que j'essaie de rendre par le concept de village multisujet, c'est de dire que je vais étudier un groupe de migrants qui partiraient des univers ruraux sahéliens et qui impliqueraient à la fois ceux qui sont partis et qui sont encore dans le contexte national, mais dans les capitales du pays, mais aussi à l'étranger, en Afrique, en Europe et ailleurs. Mais ça implique également ceux qui ne sont jamais partis, ceux qui sont restés. Pourquoi j'essaie de les confondre tous dans une même étude? Parce que de mon point de vue, ils partagent une scène sociale. C'est une scène sociale qui est marquée par une interconnaissance forte où des attitudes, des pratiques, des idées trouvent leur intelligibilité. Et quand on sort de ce contexte-là, ça n'a plus de sens, ça ne fait plus sens. Et c'est pour ça que je les confonds dans un même mouvement qui me permet à la fois d'étudier les lieux, les groupes d'appartenance et les réseaux. Donc, c'est une façon de m'opposer, mais de façon fair play scientifique, bien sûr, à une idée qui a été très répandue en France, qui consistait à dire que ce qu'on a sur le territoire français, ce sont des villages bis dans les foyers, parce que c'était des gens qu'on pensait qu'ils étaient incapables de s'adapter à la vie urbaine européenne, et voilà, qu'ils étaient là entre eux et qu'ils essayaient de reproduire les schémas de leur village. Alors, ce que j'essaie de montrer, c'est que vous avez tout faux à vouloir prendre ces gens-là pour des groupes qui essaient de reproduire la vie à l'identique comme ils l'avaient laissé dans le territoire d'origine. Je vous dis justement, je peux même utiliser une formule de Terence, mais en étant très prudent, ils sont européens et peut-être même rien de ce qui est européen ne leur est étranger. Ils sont engagés dans beaucoup de dynamiques, ils travaillent sur place, ils font des enfants, ils les envoient à l'école, ils sont dans des groupes, ils sont dans des partis, ils sont dans des associations. Et donc, vouloir les réduire à un univers, à un lieu, c'est-à-dire à un foyer, c'est se donner justement l'occasion de perdre une infinité d'informations qui, par ailleurs, permettraient de comprendre que, au fond, ils sont engagés dans des logiques qui sont très différentes de celles que, justement, nous, on avait l'habitude de voir, de rendre compte de leur vie. Et donc, c'est ça que c'est de rendre compte l'idée du village multisujet. Donc, il me permet de dire que dans un village multisujet, on n'est pas en train de dire, je vais étudier les femmes, je vais étudier les qualifiés, je vais étudier les plus jeunes, je vais étudier les organisations. Je vais étudier ça, mais justement, ça donne un cadre ethnographique pour vraiment balayer un certain nombre de sujets. Et c'est pour ça que je croise l'objet vieillissement. Donc, et ça me permet justement voilà, de croiser, de rencontrer d'autres objets dans la recherche. Et donc, c'est dans le village multisujet, on va trouver des gens qui ont plusieurs nationalités. Ils peuvent avoir la nationalité italienne, la nationalité sénégalaise, française, etc. On peut trouver des gens justement qui parlent plusieurs langues, des gens qui voilà, naviguent entre plusieurs cultures, des cultures paysannes, des cultures syndicales, des cultures politiques, des cultures religieuses, etc. C'est des gens qui ont des identités plurielles qu'il ne faut pas justement enfermer dans des considérations essentialisantes. Voilà. Donc, voilà ce que j'essaie de montrer, le contexte des villages multisujets. Alors, maintenant que j'ai clarifié tous ces objets-là, j'aimerais bien voir comment la vieillesse, enfin, le grand âge se déploie dans ce contexte-là. Et moi, les migrants que j'ai rencontrés justement dans le cadre de cette recherche-là, ce sont des migrants certes retraités qui ont commencé à prendre de l'âge,
mais qui sont restés très actifs, qui ont une vie sociale très riche. C'est pas des gens qui ont, je vois pas des gens dépendants qui ont besoin d'assistance, qui ont besoin d'être, qu'on prenne soin d'eux, très malades. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je dis que voilà, moi, ces gens que je rencontre, c'est des gens qui ont encore la pleine possession de leurs moyens et qui sont inscrits dans des actions au service à la fois de leur groupe de parenté, je reviendrai là-dessus, de leur communauté, voire même de leur entreprise individuelle, et qui ont donc gagné un statut de respectabilité dans les scènes sociales où ils sont impliqués. Alors, donc, j'aimerais dire que j'ai vu, par exemple, parmi les migrants que j'ai interrogés, certains donc qui sont voilà qui sont engagés dans la structuration et dans la perpétuation de leur lignage. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que vous savez, je vous ai dit que le contexte à partir duquel je parle, c'est celui de la moyenne vallée du fleuve Sénégal à partir d'une société Poula. C'est une société bien sûr qui a été traversée par beaucoup de phénomènes socio-historiques, l'islamisation, la colonisation, l'émigration et maintenant la globalisation. Mais je veux attirer l'attention sur le fait que la base de l'organisation sociale, elle est restée presque intacte. Hein, parce qu'on retrouve encore des formes d'organisation justement, font part à des hiérarchies, hiérarchies des groupes sociaux. Qui font que chez les Alpularen, on a les Alpularen du Sénégal, je parle bien sûr des Alpularen du Sénégal, il y a trois ordres. Au sommet, par exemple, de la pyramide, vous avez ce qu'on appelle des libres qui se subdivisent en nobles de second et de premier rang. Ensuite, vous avez des libres, hein, entre guillemets, mais qui n'ont aucune charge, qui ne peuvent détenir aucune charge politique ou sociale ou religieuse. Et enfin, bien sûr, puisque vous travaillez avec Aditya, donc vous devez connaître ce dernier groupe qu'on appelle les Matchoubé, c'est d'anciens esclaves affranchis. Bon, je sais que dans les études africaines, africanistes africaines, c'est des phénomènes qui sont occultés. Mais bon, quand on pousse l'honnêteté intellectuelle jusqu'au bout, on sait que c'est des phénomènes qui ont encore cours, hein, que les gens ont voilà, ce sont des désignations qui ont des effets sur la vie sociale encore des individus, y compris jusqu'à maintenant. Et donc, il faut en tenir compte quand on fait de l'observation ethnographique. Donc, là, je prends l'exemple de quelqu'un donc, que j'appelle Yoro, qui a 69 ans. Qui est arrivé en France au milieu des années 70, où il s'est fait embaucher à l'usine Renault dans les Yvelines. Il est donc aujourd'hui à la retraite et il partage son temps entre la région Île-de-France, où il possède un pavillon, Dakar, où il a deux maisons, et son village natal, où il a également construit un bâtiment dans une concession familiale. Et donc, lui, il appartient à un groupe qu'on appelle les Soubalbés. Ça fait partie donc des nobles, mais de second rang. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de charge d'autorité dans le village, mais ça fait partie quand même des électeurs. Voilà. Et lui, justement, Yéro, il s'investit dans la vie de ce groupe de parenté sur les trois espaces dont j'ai parlé, c'est-à-dire la France, Dakar et puis le village natal. Et les membres de ce groupe se sont organisés de manière à construire des solidarités en leur sein en se réunissant tous les 3 mois. Ils se cotisent régulièrement et sont constitués un fonds qui leur permet d'aider les membres du groupe qui sont répertoriés entre Dakar et le village et qui doivent faire face à des dépenses consistantes, comme dans le cas d'un accident, d'une cérémonie familiale par exemple, un mariage ou des funérailles, ou encore pour financer le démarrage d'une activité génératrice de revenus pour les plus jeunes. Et c'est Yero qui coordonne toutes ces activités. Il fait le lien entre les différents sites et il passe la moitié de l'année en France. Parce que vous savez, si vous voulez bénéficier de votre retraite entière en France, il faudrait avoir un temps de résidence en France. Et donc, il partage la moitié de l'année entre la France et le Sénégal.
Et quand il va au Sénégal, il partage donc ce temps sénégalais-là entre Dakar et le village d'origine. Et c'est un rôle qui lui prend l'essentiel de son temps. Il y met aussi ses moyens. Alors, il est véhiculé, il a une voiture et il rend régulièrement service aux gens de son cercle de parenté. Par exemple, il va transporter quelqu'un qui est malade, qui a besoin d'aller à l'hôpital. Voilà. Ou quand il retourne en France aussi, il se rend fréquemment chez les autres pour le rappeler à leur devoir d'engagement au sein de ce petit groupe du village multisitié. Et c'est chez lui que les membres du groupe statutaire établi en France se réunissent aussi. C'est le même cas quand il est à Dakar ou dans son village d'origine. Donc tous les membres du lignage, ce groupe de parenté, ils se réunissent chez lui parce que c'est un peu, je vous avais dit, rappelez-vous, l'importance des patrons, des grands, des protecteurs dans le schéma sénégalais, schéma social sénégalais. Et donc, quand on discute avec Yéro, ce migrant-là, lui, il se dit satisfait de sa nouvelle vie. Il dit même qu'il est plus satisfait encore que pendant qu'il travaillait. Parce que là, il dit que on me gronde pas, on me demande pas si je suis arrivé à l'heure, on me fait pas de reproches, il n'y a pas quelqu'un qui me fait tout le temps des remarques au travail. Alors que ici, je suis patron, je suis le grand, je sais que les gens ils m'attendent, ils me respectent, ils savent que je suis utile, etc. C'est une vie remplie. Donc on voit que c'est pas forcément les gens qui ne sont pas entourés, qui sont seuls, qui sont pauvres, qui sont malades dont parlait Sayad. Abdelmalek Sayad ou Gérard Noiriel. Et le deuxième, il me reste combien de temps, s'il vous plaît, Marco? 5. Donc, alors, je vais synthétiser. Donc, ce type d'engagement aussi des vieux, il se prolonge dans les communautés parce que maintenant, ce qui s'est passé, donc, moi, je pars de l'exemple de la France où maintenant, on a plusieurs générations de retraités. Et donc, comme ils mènent maintenant une double vie entre la France et le Sénégal, ils sont rentrés, ils sont nombreux, ils ont acquis de l'expérience, ils ont des moyens, ils sont rentrés dans les villages. Et donc, maintenant, pas comme on le voyait dans les travaux sur les migrations ouest-africaines, où on pensait que les gens dans les villages, ils n'avaient pas d'idées, ils n'avaient pas d'initiative, ils ne pouvaient rien faire, ils attendaient qu'on fasse tout. Hein. Maintenant, les retraités sont là-bas, sur place. Ils sont expérimentés, ils savent comment faire. Ils savent comment monter une association, ils savent comment se mettre en relation avec les ONG, comment avoir de l'influence municipale et politique. Et du coup, ils se mettent au service justement des sections locales du village multisité. Et comme ils ont été en migration, et souvent à plusieurs étapes, en Europe, à Dakar, donc ils connaissent tout le monde et ils essaient de faire le lien. Ça facilite l'action. Et donc, ça permet aussi d'aller plus avant dans la réalisation de ce projet. Et donc, ce deuxième exemple que je voulais vous donner, c'était des retraités qui ont permis justement la construction d'un collège, parce que il faut se rendre compte de ce qu'est la situation de l'éducation en Afrique. L'État ne construit pas forcément toutes les écoles. Et dans la moindre vallée du fleuve Sénégal, pour le terrain que je connais le mieux, vous avez souvent la plupart des collèges et lycées qui ont été construits par des associations de migrants. Et là, c'était un collège qui a été construit récemment, et grâce justement à l'implication, bien sûr, des migrants, mais aussi des retraités qui étaient sur place et qui étaient vraiment très dynamiques. Ils étaient, qui allaient tout le temps au charbon, ils allaient auprès des autorités pour les autorisations, pour contrôler le travail. Et donc, ça, ce que nous n'arrivions pas forcément à faire, les villageois. Avant, et les migrants s'en plaignaient beaucoup aussi à partir d'ici. Alors, le troisième exemple que je voulais donner, c'est celui de Moussa, qui est âgé de 70 ans, un retraité. Et lui, quand il a pris sa retraite, il est rentré, il a monté un réseau de quincaillerie parce que le marché du bâtiment a explosé là-bas. Tout le monde construit, y compris les migrants, puisqu'ils ont des moyens. Et justement, ça lui a permis de gagner beaucoup d'argent et d'être très actif et de multiplier les affaires. Pas simplement que dans le commerce de matériaux de bâtiment, mais aussi dans l'électroménager, etc. Et il me dit, il m'a dit, je renais. Voilà, il m'a dit, je reviens au monde, je renais parce que pour moi, j'ai une seconde vie. Hein. C'est comme si j'avais une seconde vie, je rajeunissais. Et pour moi, je ne suis pas vieux dans ma tête, j'ai beaucoup de choses, je fais beaucoup d'activités. Et c'est vrai, c'est quelqu'un qu'on connaît, qu'on voit rouler dans les voitures, dans sa voiture, le long de la Moyenne Vallée, en train de faire son business, malgré ses, enfin, 70 ans.
Le dernier exemple, enfin, un avant-dernier exemple aussi, c'est de voir que non seulement ils ont migré, non seulement ils ont fait des associations, ils ont fait des affaires, mais ils se disent maintenant, mais pourquoi pas aller plus loin? On va faire de la politique. On va faire de la politique. Et ça, l'exemple que je donne, c'est un des migrants qui a été donc trafiquant de diamants en Afrique centrale, puis est allé en France, il a monté des commerces. Et puis, au début des années 2010, quand l'actuel président du Sénégal, Macky Sall, a voulu faire la politique, enfin, a voulu s'engager dans la campagne, ils ont dit, ah, c'est quelqu'un de la région, il vient d'ici, on va le soutenir. Et donc, il y avait un réseau d'amis migrants qui ont été de grands trafiquants de diamants, qui ont eu beaucoup de moyens, ils sont investis dans sa campagne et ils l'ont aidé, il a gagné. Et d'ailleurs, lui, quand on lui demande, lui, je lui dis, mais à 71 ans, qu'est-ce que tu fais avec la politique? Pourquoi tu t'engages comme ça? Tu vas perdre de l'argent. Il me dit, non, je m'engage en politique parce que moi, j'ai été diamantaire, j'ai gagné beaucoup d'argent, je suis venu investir au Sénégal dans l'immobilier. Et à chaque fois, les hauts fonctionnaires, parce que je connaissais personne, ils me demandaient de l'argent, ils me fatiguaient pour des autorisations, etc. Maintenant, moi aussi, je veux aller à la conquête du pouvoir pour avoir des gens que je connais, pour qu'on ne me fatigue pas avec mes affaires et pour que mes enfants, on leur pose pas de problème. Voyez donc, ils ont été actifs en migration, actifs dans la construction des associations villageoises, actifs maintenant en affaires et finalement, ils vont vouloir avoir de l'influence même politique. Donc, c'est des seniors, comme on dit ici, bien très actifs. Et donc, vous avez vu que je n'ai pas beaucoup parlé de femmes, mais je voulais vous donner cet exemple pour finir, que justement, on a souvent écrit dans les migrations, notamment à partir de migrations sahéliennes venant des villages, que les femmes ne faisaient que suivre les maris, etc., qu'elles étaient dépendantes, passives. Et là, je voulais montrer l'exemple aussi de femmes maintenant, où à l'âge de la retraite, elles acquièrent un statut. Parce que pourquoi, même si elles n'ont pas travaillé, elles se sont investies dans l'éducation des enfants. Et maintenant, quand elles atteignent cet âge-là, les enfants ont grandi, ils travaillent, ils s'occupent bien d'eux. Par exemple, cette maman-là, dont je donne l'exemple, elle a eu 7 enfants en France, ils sont tous majeurs, ils travaillent tous. Et à la fin de chaque mois, ils se réunissent tous, ils lui donnent presque plus que le salaire de quelqu'un qui est en activité. Ils lui ont construit une maison au Sénégal, ils l'ont envoyé faire un pèlerinage à la Mecque, c'est ce qui était important, et elle a gagné un statut. Et quand je l'interroge, je lui dis, mais toi, tu ne veux pas rentrer maintenant au pays? Je dis, non. Il m'a dit, je suis mieux ici parce que là, mes enfants me considèrent, me donnent un statut, je vois mes petits-enfants, je n'ai pas besoin de faire à manger, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, alors que si je rentre là-bas dans la concession au village, je vais perdre mon pouvoir parce que eh bien, ça va être de la domination masculine. Donc, je préférais ça. Donc, on peut dire que voilà, on gagne, elle gagne aussi un statut, mais justement avec le versant de l'âge. Alors, pour conclure, mon cher Marco, c'est mon défaut, hein, je suis très bavard, c'est pour ça qu'il ne faut pas me donner le micro. Certes, on rencontre donc des individus connaissant différentes difficultés et angoisses liées à l'âge adulte chez les retraités des villages multisociétés, par exemple des gens qui ont de faibles revenus, des gens malades ou des gens qui se questionnent autour de l'héritage culturel mais aussi cultuel. Hein, parce que je suis musulman, qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants? Angoisse par rapport au lieu de la mort, aux conditions de l'enterrement, à l'avenir des enfants, au sentiment de vacuité. Ça, c'est des choses qu'on peut voir. Mais on remarque quand même chez nombre d'entre eux une intensification de la mobilisation, parce que vraiment, on voit qu'ils. Voilà, c'est comme le mot de l'autre qui me dit, moi, je renais, je rajeunis. Voilà. Mobilisation au service du lignage, de la communauté ou encore un investissement dans des entreprises individuelles et dans une certaine mesure la politique, y compris à un plus haut niveau. Alors, si les hommes sont visibles, les femmes ne sont pas en reste, notamment dans le cadre familial, donc le dernier exemple que je vous ai donné, où elles gagnent justement un statut qui se décline à la fois financièrement, matériellement et symboliquement, et ce qui rend compliqué justement d'envisager un retour sur le site originel du village multisitié. Je vous remercie pour votre aimable attention.
Marco. Je vais enlever ça. Thank you for this rich and interesting presentation. According to the program, we will have enough time for discussion at the end of the presentation, but I think that if you have just a couple of short questions, we can answer. Or the only things that we should do is to go to a coffee break at 11 o'clock. This is our strict. So we have another presentation of half an hour. So this is really just, if there are just very short questions. Okay? Yes. Ok, c'est une question très importante. Effectivement, parce que vous voyez, je vous dis que il y a une profondeur intergénérationnelle qui a été acquise dans la migration et que donc on rencontrait davantage de retraités chez les Français, enfin, entre guillemets, quand on dit Français, ce sont les migrants en France. Voilà, on les appelle les Français. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a plusieurs générations. On peut trouver des gens qui sont âgés de 80 ans, mais pas beaucoup quand même, hein, pas beaucoup. On peut plus de 80 ans, ils sont peu nombreux. Mais dans tous les cas, moi, ce que j'ai vu vraiment dans ces villages multisituels, j'en ai étudié une demi-douzaine, donc à peu près 6. Tous, vraiment, ils ont un statut. Il y en a qui sont un peu malades, mais pas vraiment, pas. Il n'y a pas de quoi se plaindre. C'est vraiment des vies assez remplies de manière générale, où ils ont soit des enfants, des petits-enfants qui s'occupent d'eux. Et puis, ils ont un rôle dans le lignage, ils ont un rôle dans le village. Ils sont écoutés, ils sont consultés, ils sont pas... Voilà, ils sont importants. Voilà, ils sont importants. Et même si, bien sûr, il y a des difficultés au quotidien, sur beaucoup d'aspects, etc. Mais de manière générale, ils ont un statut qui est enviable. Yes. 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 Mais dans Yes. 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 Non, ce que tu dis est tout à fait juste, hein, parce que c'est une longue observation de société ouest africaine aussi. Et notamment dans les aires, l'espace sénégambien. Mais ce qui est sûr, c'est que on a vu rarement des. Moi, j'ai quasiment jamais vu d'individus complètement isolés, laissés, y compris en migration. Même s'il y a des difficultés, les gens sont là. Voilà. Et donc, quand même. Et de manière générale, c'est des gens qui continuent quand même à s'investir dans des organisations religieuses, dans des associations de lignage, y compris même dans des partis politiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en migration. Ils sont